Ce n'est qu'un au revoir, le Forza. Ce n'est Arrêtez, Forza. qu'un au. Non, mais parce que J'ai en stress, hein, je vous le dis pas, les gars. Dany, une petite prière. Tu fais pas le con, c'est mes pales. Généralement, ça finit bien. Passe ton hélico plus tes pales. On va passer maintenant, c'est hein. Ouais, bah là c'est trop tard. Ouais. C'est un 700, t'oublieras pas. Hein. En 2 secondes, il va te dire c'est mou. Ah bah oui, c'est sûr. Gaëtan, JR plus Bistix. Ça reste en l'air pour l'instant, c'est pas mal. Ah putain, je t'ai perdu. Ouais, je suis là. Ah, mais on voit que c'était pas ta machine, tu voles haut. Ouais. Tiens, elle sait faire ça, ma machine. Moi j'attends juste de savoir si elle est autoroute. Ah ouais, franchement, en vol, ça n'a rien à voir en fait avec un serpent. Ah, je m'attendais quand même là. Attention, 3 tic-tac. Ah non, enculé. Allez, au prochain tour. Le mec qui a trop l'habitude de voler avec lui, quoi. J'ai pas beaucoup de vitesse en fait, donc du coup, je suis bien centré, donc je sais pas. Ça te va? Ouais. C'est pas violent, mais là, comme ça, pour un vol comme ça, ça va. J'ai bien monté le niveau quand même. Par rapport à la dernière. Ouais. Mais t'as à fond sur l'anticoupe là? Ouais. Ah ouais, il tourne pas bien vite alors. Ah, mais de toute façon, il tourne pas trop vite. C'est bien assez au niveau des tours, à part ça, si on perd beaucoup de ça marche bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 2300 tours. Hein. Ouais. En même temps, tu vois combien on a, 2500, 2100. Ah ouais, il me semble. On se décale à gauche? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, je vais pas la faire trop haut, t'as promis. Hein. Ah, je sais pas où il est. Ah oui, non, mais ça pose... Ouais, j'étais loin, c'est parti par là, fallait que je revienne, ouais. C'est la merde. Mais à part ça, ça pose encore. Dany, t'as fait de l'huile? Non, non, ça va. Non, j'ai confiance. Il aurait pas volé avec, sinon. T'as un caleçon avec toi. Ah non, il est encore en pyjama. J'étais mal parti, j'étais...
coup j'ai dû revenir par là, j'ai dû me stabiliser. Bah ça pose quoi. J'ai perdu beaucoup de jours, puis tu vois, ça posait. Puis en fait, j'étais pas du tout encore à sec au sol. J'ai eu le temps de poser tranquillement. En même temps, on n'a jamais été à sec ce week-end. Hein. J'ai dit, on n'a jamais été à sec ce week-end en même temps. Ah, ça vole très bien par contre. Non, franchement, c'est très stable. Ça, bon, vole, tout ça, ça c'est... va ou... Non, non, ça, c'était très bien. C'était, ouais, c'est typiquement le genre de machine qui me plaît. Hein. Et puis franchement, on vole entre un 700 et un 600, il y a quand même une grosse différence en fait. Hein. Franchement, non, ça donne vraiment. C'est pas un gros moteur. Ouais, mais donc, franchement, celui qui a le gros moteur. Là, t'as 4 minutes 30 de vol comme ça, faut regarder combien il reste dans la lipo, je pense qu'il en reste. Et puis, puis ça vole très bien. Là, ce serait ma machine, je montrerai un poil l'EDR. Mais c'est tout. Non, non, ça va très bien au niveau des tours comme ça. On sert de l'autonomie. Ça va, Pat? Ça va. Pas de tâche. Ça va, je regarde. Non, c'est bon. Non, ça vole remarquablement bien. C'est très précis en vol.